Bonjour et bienvenue chez Tamalou et bienvenue dans Astuces de Pro, votre série de vidéos afin de connaître et de mieux comprendre tous les personnages de Smash Bros Ultimate grâce aux conseils de pro. Et n'oubliez pas que pour tous les conseils, vous pouvez aussi aller sur le site smashpro.tips qui est gratuit et qui est entièrement en français avec énormément de contenu. Je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, on se penche sur le cas d'un duo de princesses iconiques, la princesse du royaume Champignon et celle du royaume Sarasland. Je veux bien sûr parler de Peach et de Daisy. Dans Smash Ultimate, les deux princesses sont vraiment identiques. Alors au début, on observait quelques différences mineures au niveau de leur hitbox, mais cela a été modifié suite à une mise à jour faisant de Daisy davantage un costume alternatif qu'un véritable personnage écho. Niveau gameplay, Peach ou Daisy est donc un personnage technique souvent très bien classé dans les tier lists car chaque princesse a un gros potentiel qui la rend de plus en plus redoutable à mesure que vous progressez avec elle. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de Peach et de Daisy, j'ai la chance d'avoir reçu les astuces de trois grands joueurs, Dia, Yogi et Oka. Tous trois comptent parmi les meilleurs Peach francophones et je tiens vraiment à les remercier pour le temps qu'ils ont pu me consacrer. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Peach ou Daisy est un personnage qui peut compter sur ce qu'on appelle son float, c'est-à-dire que quand vous laissez appuyer sur la touche de saut, elle va flotter. Cela offre plusieurs avantages, comme le fait de revenir sur le terrain tout simplement en variant ses approches, de pouvoir jongler avec son adversaire tout en restant très mobile, ou encore d'intercepter toute tentative de retour de l'adversaire. Cette capacité offre au personnage une mobilité unique qui lui donne des techniques et des options qu'elle seule peut réaliser. En maintenant bas et le bouton de saut enfoncé, on peut flotter au ras du sol, ce qui permet de faire des attaques aériennes quasiment au niveau du sol. On peut alors faire une attaque et relâcher ensuite le saut pour tout de suite retomber sur le sol après l'attaque. Cela permet quasiment d'ignorer le lag de fin d'attaque et permet d'enchaîner des coups de manière plutôt violente. D'ailleurs, le float plus l'utilisation d'un AV confère un jeu de combo très violent qui peut très vite monter le personnage adverse à 60% en un combo. On parlera enfin du fait qu'elle fait pas mal de dégâts sur ses attaques et qu'elle a tous les outils en main pour mettre la pression à son adversaire, la garder en désavantage et le tuer rapidement. En situation d'edgeguard ou de ledge trap, le personnage est juste monstrueux et peut aller chercher assez loin et punir des recoveries linéaires. Un perso bien puissant donc, mais qui demande malgré tout de maîtriser des techniques bien spécifiques. Malgré tous ses points forts, Peach ou Daisy possède plusieurs points faibles. Effectivement, dès qu'elle est en situation de désavantage, elle pourra encaisser de gros dégâts. Sa recovery, en plus d'être faible verticalement parlant, pourra aussi être facilement exploitable, ce qui fait que si on lui enlève son double saut et son float, elle ne pourra pas vraiment compter sur son hubby. D'autant plus qu'elle ne récupère pas son float quand elle s'accroche au rebord, donc il faudra l'utiliser avec parcimonie. En plus de ça, sa vitesse aérienne verticale n'étant pas très rapide, ce qui fait qu'elle pourra avoir du mal à redescendre quand elle est en haut du terrain. Pour des experts du juggle, c'est du pain béni. Son jeu de combo est également très bon, mais ses coups ont du mal à se connecter au-delà d'un certain pourcentage qui peut la désavantager face à des Bowser qui peuvent rapidement l'envoyer cueillir des fraises en bénéficiant de la rage. Enfin, d'une manière générale, elle sera désavantagée contre les projectiles car elle n'est pas très rapide et face aux épéistes qui peuvent avoir une meilleure portée qu'elle. Peach et Daisy auront donc pas mal de difficultés face à Amphinobi et Snake, des personnages qui possèdent des attaques disjointes ou qui ont de bons projectiles. Palutena sera aussi un match assez compliqué à gérer pour pas mal de raisons évidentes. Après, en fonction du type de personnage affronté, il faudra jouer le neutral de manière totalement différente contre Mario et Ness, des personnages qu'il faut tenir à distance. Il faudra abuser du back air et du neutral air pour les garder à distance et bloquer leur approche. Contre les Belmont, Pac-Man et autres zoneurs, il faudra aussi abuser du neutral air ou du back air, mais pour s'approcher de manière safe. Et enfin, pour Lucina et Chrome, les épéistes, il faudra surtout pas s'approcher, mais plutôt les forcer à venir en abusant du navet ou en mettant un peu de pression avec le back air tout en restant safe. Donc, il faudra vraiment s'adapter au personnage. D'un autre côté, Daisy et Peach pourront être avantagés face à pas mal de persos du casting, et notamment face à Luigi, Donkey Kong et Roy, des personnages sans projectiles qui n'ont pas d'attaque disjointe ou des recoveries facilement punissables.
Peach Daisy est un personnage qui peut compter sur beaucoup d'attaques très intéressantes. Comme ses attaques aériennes, le fait qu'on puisse flotter au ras du sol transforme ses options en attaque au sol, tout en vous donnant une grande mobilité, ce qui les rend d'autant plus redoutables. On pourra ainsi parler de son neutral air qui est son aérial le plus rapide, il sert surtout à lancer un combo ou à en poursuivre un, il est excellent en ledge trap puisqu'il peut tuer ou mettre énormément de dégâts au shield, en plus le coup permet d'edge guard et sa rapidité en fait une excellente option en sortie de bouclier, un coup très utile donc. Son back air qui est également un excellent outil d'approche et qui permet de créer une barrière quasi infranchissable pour certains persos tels que Ness, Fox ou Mario. Effectivement, cette attaque a une très grande portée, elle peut être utilisée de manière safe sur un bouclier si elle est bien space, elle tue bien également tout en étant une bonne option en sortie de bouclier dans le dos. Puis en plus de ça, un combo est quasiment garanti à bas mid% quand c'est précédé d'un down throw. Une attaque que l'on peut facilement spammer en réalisant des float cancels. Son upper est aussi très intéressant puisqu'il possède une portée totalement pétée, aussi bien horizontalement que verticalement, ce qui en fait un très bon outil neutral contre les persos qui sautent beaucoup. Il permet notamment de jongler assez facilement tout en étant un outil intéressant de combo si l'on annule en retombant. Et si un adversaire est assez haut, il permet en plus de s'emparer d'une stock. Son forward air quant à lui sera un bon outil pour tuer l'adversaire et possède une bonne hitbox même s'il est un peu lent à sortir. Au niveau de ses attaques au sol, son down tilt quant à lui est son arme la plus redoutable. C'est un coup rapide qui possède peu de lag, ce qui fait que la récompense peut être énorme pour une prise de risque plutôt faible. Ainsi, si votre adversaire est à bas pourcent, vous pourrez quasiment lui faire 60% et passer à un certain stade, c'est la mort assurée quand c'est suivi d'un forward air. Enfin, son down B est extrêmement utile dans la plupart des cas car c'est l'un des meilleurs projectiles du jeu. Bien qu'il soit lent à sortir, ce qui peut vous mettre en situation de désavantage, c'est l'un des meilleurs projectiles. On peut le garder dans la main même lorsqu'on réalise des attaques aériennes. Ces projectiles permettent d'edge guard tout en restant tranquillement chez soi, de lancer un combo très facilement ou de forcer l'adversaire à approcher en zonant. On peut que l'adversaire n'ait pas de bon projectile lui aussi. En plus de ça, le navet sorti est aléatoire et peut être un Stitch Face très puissant, un Monsieur Saturne qui brise un bouclier ou une bombe qui fait de très gros dégâts. Peach est un personnage qui possède un grand panel de combos possibles. Pour commencer, il vaudra mieux s'entraîner à réaliser des combos simples d'exécution. À bas pourcent, vous pourrez facilement faire des combos à base d'un down tilt ou d'un AV suivi d'un float cancel neutral air. Après, ces combos vont surtout nécessiter de maîtriser l'utilisation du float pour pouvoir sortir ce que vous voulez, les grabs permettant aussi de lancer pas mal de combos. Si vous voulez commencer à jouer sérieusement avec Peach et Daisy, voici 3 conseils qu'il vous faudra suivre. Tout d'abord, n'essayez pas tout de suite de vouloir placer des combos hyper techniques que vous avez vu traîner sur Twitter. Il vaut mieux apprendre à maîtriser le personnage et ses options. Les combos viendront par la suite. Et même si c'est loin d'être évident avec Peach et Daisy, vu le nombre de mécaniques que le personnage possède, surtout, ne vous démoralisez pas, il faut continuer de s'entraîner, se fixer des objectifs et les résultats suivront. Deuxième conseil, attention à ne pas sous-estimer certains de ses coups, comme le navet par exemple. Même si ce dernier est renvoyé, vous pouvez toujours le rattraper dans les airs et le renvoyer, mais faites aussi attention si votre adversaire l'a attrapé car il peut aussi vous enchaîner facilement. Et d'une manière générale, profitez de la portée des coups de Peach, son upper et son forward air sont disjointes, ce qui permet d'être assez safe, ne l'oubliez pas. Enfin, ne vous exposez pas davantage. Lorsque vous êtes en situation de désavantage, le temps peut paraître assez long avec Peach, mais ne vous impatientez pas, surtout au risque de vous mettre dans une situation encore plus compliquée. Préférez attendre le bon moment pour renverser la situation ou de moins retourner à une phase de neutral. D'ailleurs, en neutral, n'approchez pas avec le float down air à hauteur de short top car ça n'a pas de range horizontal. C'est un outil défensif et non d'approche. Et puis enfin, Peach ayant du mal à atterrir, ce n'est jamais une bonne idée de se mettre trop en hauteur. Au niveau des stages, tout va dépendre du match-up encore une fois. Par exemple, Champ de Bataille peut l'aider contre Lucina ou encore Link qui ne peut contester son upper. On retiendra surtout Smashville et Destination Finale car Peach n'a pas besoin de plateforme pour ses combos, le terrain est assez petit. C'est donc bien pour se retrouver au corps à corps et pour tuer. Townland City également sera un très bon niveau car c'est un grand stage qui permet de poursuivre les combos à l'infini. En plus de ça, les Blast Zones conviennent parfaitement à Peach, rapprocher sur le côté et éloigner vers le haut. Or Peach tue plus facilement latéralement qu'en hauteur et inversement meurt plus facilement par le haut. C'est donc idéal pour elle. En mauvais stage, on en retiendra surtout 3. Le pire c'est Lylat car Peach va pouvoir s'accrocher une fois sur 10 au rebord avec son side B et surtout car les pentes vont forcément beaucoup gêner le float, ce qui fait une grande partie du neutral de Peach. Cela va parfois arrêter subitement le float et donc gêner le jeu de combo du personnage.
Yoshi's Island et Yoshi's Story d'ailleurs partagent les mêmes particularités au niveau du terrain en pente, ce qui en fait aussi des stages moins intéressants. Vous l'aurez compris, pour Peach et Daisy, le plaisir viendra de son côté très technique qui vous poussera à sans cesse vous dépasser pour vous améliorer. Et vu que le personnage est fort, vos efforts seront récompensés, ce qui est toujours gratifiant. C'est également un personnage versatile, ce qui fait que vous n'aurez jamais l'impression de faire la même chose vu que bon nombre de ses attaques sont utiles. Il existe aussi plein de manières de jouer différentes, tant son jeu de combo est créatif et varié. Bref, vous l'aurez compris, un personnage puissant qui mérite qu'on lui consacre du temps et qui permet d'obtenir de bons résultats tant elle possède des outils intéressants. Voilà qui conclut cet épisode autour de Peach et Daisy. Encore un énorme merci à Dia, à Yogi et à Oka qui ont pris le temps de me répondre et que vous pouvez suivre sur leur Twitter dont les liens sont dans la description. Je vous laisse avec quelques-uns de leurs plus beaux moves sur Ultimate et sur ce, je vous dis à bientôt.